Nous allons démontrer ici la troisième loi de Kepler dans le cas simple d'une orbite circulaire d'une planète autour de son étoile. Nous rappelons ici la troisième loi de Kepler. La période de révolution, notée T d'une planète, est reliée au demi-grand axe, noté A de son orbite, par T au carré divisé par A au cube est égal à 4π au carré divisé par G ME plus MP. Avec ME la masse de l'étoile et MP la masse de la planète. G est la constante universelle de gravitation. La masse de la planète peut être négligée devant celle de l'étoile. On obtient alors 4π2 divisé par G ME. La loi de l'attraction gravitationnelle universelle, dans le cas d'un système étoile-planète, dit que l'étoile et la planète séparées d'une distance R exercent l'une sur l'autre une force attractive. Nous nous intéressons ici à la force exercée par l'étoile sur la planète. Cette force est dirigée de la planète vers l'étoile. Elle vaut moins G ME MP divisé par R au carré. La deuxième loi de Newton, encore appelée la relation fondamentale de la dynamique, dit que la somme vectorielle des forces appliquées à un corps est égale au produit de sa masse par son accélération. Dans notre cas, il n'y a qu'une force, la force d'attraction gravitationnelle, dont nous avons donné l'expression précédemment. Le vecteur accélération a pour expression moins v au carré sur petit r. Avec v, la vitesse de la planète autour de l'étoile, qui est constante sur une orbite circulaire grâce à la deuxième loi de Kepler. On obtient alors, pour la relation fondamentale de la dynamique, l'expression suivante, moins g ME MP divisé par R au carré qui est égal à moins MP V au carré sur petit r. On en déduit donc l'expression suivante pour la valeur de la vitesse de la planète autour de l'étoile. V est égal à racine de G ME divisé par R. La vitesse de la planète autour de l'étoile peut aussi s'exprimer en fonction de la vitesse angulaire oméga. Comme oméga est égal à 2π sur t, on obtient alors pour V, V est égal à R oméga qui est égal à R 2π sur t. On a trouvé deux expressions pour représenter la même vitesse. On va égaler ces deux expressions. On a racine de g ME sur R qui est égal à R de pi sur t. Ou encore g ME sur R qui est égal à R au carré 4 pi au carré divisé par t au carré. On note alors A, la distance entre l'étoile et la planète, et on retrouve la troisième loi de Kepler, à savoir t au carré divisé par A au cube qui est égal à 4 pi au carré divisé par G ME.